Absolument. Alors là. Du coup, c'est quoi? C'est Altec Nonocolor, c'est ça? Absolument. Altec Nonocolor, du coup, nous sommes en. Dans 7 ans. Nous sommes en semi, en une heure semi, en absolument. Demi-finale pour, voilà, comme prévu, on a. Pour parler en bon François, évidemment. Hop, parfait. Et puis, du coup, bah écoutez, sans plus attendre, let's go. La game 1, c'est parti. Zelda contre Pokémon Trainer. Altec contre voilà. Nonocolors, en effet. Et du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Nonocolors dans cette Corny Smash. Et le fait qu'il arrive en winner semi, bah écoutez, ça prouve qu'il est toujours en forme. Hein. Il est toujours là. Hein. Il est toujours là, toujours en forme. Et écoutez, bon. Mais après, bon, il est face à Altec quand même. Altec, bon, on l'a vu tout à l'heure face à Sourif, quand même. Ça déconne zéro, plus, regarde, tu vois, il trouve les petits. Il trouve quand même des bonnes solutions pour infliger les pourcentages. Mais bon, c'est sans compter Herbizarre qui, lui, de son côté, arrive à garder la distance avec pas mal de coups à longue portée. Notamment, ouais. Notamment le Foilian, etc. Ouais, qui s'utilise en backer. C'est une etc. distance un petit peu gênante pour Altec qui lui cherche à jouer soit à longue distance. Oh là là, et le Dimfire qui va passer comme ça dans le neutral. Juste il va passer comme ça. Écoutez, écoutez pourquoi pas. J'ai donc Herbizarre qui est plutôt un perso qui va jouer à mid-range. Une distance qui est un peu gênante pour Zelda qui cherche soit à bien se mettre des tatanes au corps à corps, soit à envoyer des projectiles de bien loin. Mais voilà, c'est quand même compliqué pour. Oh là là, bien vu ça. Ça, c'est la Nonocolor. Ça, évidemment, ça c'est. Up et voilà. Extrêmement fort. Ça, c'est les choses qu'on aime voir avec Nonocolor. Du kill confirm propre. Surtout avec son Herbizarre, ça c'est des choses qu'on aime vraiment beaucoup voir. En tout cas, 54% on va peut-être trouver une solution contre cette Zelda qui continue de mettre une grosse pression. Notamment, on nous renvoie tout simplement les trancherbes avec ce petit Neutral B. NB contre NB, hein, évidemment. Neutral B contre Neutral B. Vous connaissez la chanson, Chevalier qui va pas pouvoir avancer. Par contre, sur une dash attack, il mettra 84%. Attention quand même, ce Chevalier qui va continuer de mettre pas mal de pression à ce Herbizarre. C'était une tentative de mix-up. Ouais, ça c'était une grosse tentative, mais qu'est-ce qu'il se les prend tous. Il se les prend tous. Passer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui se trouve dans l'esprit de. Voilà. De il est vraiment là. Le mentaliste est présent hein, pour le coup. Ok, peut-être un Dantro. Dantro dans l'air, plus le Pilt Pair. Il n'y aura pas de Pair évidemment parce qu'on réussit à faire le Dumpy pour esquiver tout simplement le combo de notre adversaire. Mais tandis que Nonocolors, du haut de ses 85%, continue à se prendre une sacrée sauce. Peut-être encore une fois, on va trouver une solution. Les kills confirm au Dantro qui sont extrêmement forts. Extrêmement fort, extrêmement punitif hein, pour ce joueur de Zelda. Attention quand même, encore une fois, on va peut-être se reprendre un side B. Non, ça sera pas le cas. Si, cette fois, on va s'en reprendre un. C'était peut-être le savoir spot du side B. Effectivement, ça ne va pas tuer. Voilà, on essaie de pressure le. Abstro, évidemment, voilà. Ça va Abstro, pas encore. Une femme, qui ne tue pas encore sur PS2. Très très bonne DI. Encore une fois, cette fois. Non, toujours pas. Là, on était plus sur la plateforme. Effectivement, mais on avait les pourcentages en plus. Mais en tout cas, 165%. Un petit peu compliqué là. Est-ce qu'on va peut-être trouver une solution contre notre adversaire? Évidemment, il y aura ce chevalier qui était parti. Simplement passé dans le neutral. Est parti un petit peu trop vite pour Nonocolors. Je pense qu'il s'y attendait pas. Et en effet, bah écoute, c'est ce qui lui a coûté la game 1-0 pour notre ami, Altec. Je crois qu'on n'a pas été assez patient du côté de Nono contre ce Phantom Knight. On a cherché à punir ou à le cancel, mais avec le trancherbe d'Herbizarre qui est un petit peu trop lent, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment se mettre hors de la range de ce Phantom Knight et respecter ça. Largement. Parce que voilà, ça couvre quand même une très grosse zone, il faut vraiment la respecter. C'est compliqué. C'est encore PS2, t'imagines? Absolument. Et donc, nous voilà. À nouveau. Toujours. Il change de skin comme ça. Comme de. Il change de skin comme de chemise. Il change de skin comme de chemise. Alors. Et tandis que. On se cherche donc. Ouais, on se cherche tranquille. Ouais, on met un petit pourcent, voilà, on est content. C'est ça. Oula, on a tenté des schmix un petit peu. Un petit peu conséquents. Mais tu vois, là, il garde Carapuce beaucoup plus longtemps comparé à la game précédente. Hâte de voir ce qu'il va réussir à en faire, parce que là, ok, il trouve des dents roses, on trouve les 35%. Bon, ok, très bien, mais. Pas encore de. Oh là là, mais. On rappelle que. Mais on meurt si on rappelle vite que Carapuce, c'est aussi léger que Game & Watch. Hein,
Donc ça part vraiment très très vite, hein. Faut faire très très attention à ça. Et là, le Colors, j'ai l'impression qu'il l'a un peu appris à ses dépens. En tout cas, d'entre évidemment, il y aura la Kick. Mais il a très bien ri de la DI. En tout cas, Altec là vraiment qui est impérial voilà, hein, sur le, cette. Le Pokémon Switch qui va permettre d'esquiver ce Lightning Kick. Ouais, mais là, on est quand même à 90% déjà. On accuse un très gros retard. Très on cherche gros... le up smash. On va essayer de survivre le plus longtemps possible avec. Avec Charizard, avec Dracaufeu. Ok, oh, ouais, on arrive à. Un petit fast fall pour esquiver l'épée du Knight. Ça suffit. Et on trouve le back air. Ça suffit. Et du coup, du côté fort. De No Colors, on va forcément peut-être un peu plus longtemps garder Dracaufeu parce que forcément on a l'un des personnages les plus lourds du jeu. Donc forcément on est moins sensible à mourir sur les combos de notre adversaire. Évidemment, on va se prendre plus de combos, mais derrière on va certainement moins mourir plus facilement. Pas du tout. Encore une fois, on a. Je vais vous dire. Altec qui gagne énormément du fait que sur ses kill confirm OFB, il n'y a aucune DI du côté de ses adversaires le plus souvent. Largement. Et du coup, il n'a même pas à se torturer l'esprit à dire est-ce que je vais essayer de read une DI sur la droite ou sur la gauche ou de la follow. Rien du tout. Il fait juste tout droit. Et ça permet de kill encore plus vite par le haut. Complètement. En tout cas. Ça se voit que Herbizar là il continue de mettre une sacrée pression à Altec, mais bon on est quand même il reste quand même une seule stock à Nono Colors hein, donc il faut vraiment qu'il fasse gaffe. Et effectivement cette stock va partir à une vitesse astronomique. Il a tenté de spacer ça de manière à catch à la fois la neutral get-up et la roulade, mais du coup au niveau timing c'était off. On a fait ça sur le shield, très mal spacé, ça a été une punition instantanée. Je sens qu'on commence à avoir un petit peu de problèmes de mental niveau du côté de Nono qui joue clairement pas assez patiemment à mon sens. À vrai dire c'est la marque de fabrique de Nono Colors, hein. C'est vraiment de foncer un petit peu dans le tas. Les petits jeunes ils aiment beaucoup se battre. Je veux me battre. En tout cas, toujours Carapuce qui commence en premier lieu dans cette game. On récupère le neutral là-dessus, du coup on a le contrôle du stage encore une fois. Déjà 37% okay, attention trouvés. Quand même là, il a même pas envie d'aller. Ok, on récupère la première stock en 0 to death. Altec qui a fait une petite erreur, j'ai l'impression, sur sa recovery, mais du coup au moins ça fait gagner l'avantage pour Nono Colors qui du coup prend une stock entière d'avance et il continue. Première fois de ce set, il a l'avantage. Exactement, pour la première fois il a l'avantage. On va voir comment il va pouvoir jouer avec cet avantage. Est-ce qu'il va réussir à jouer plus en retrait, forcer Altec à chercher des approches. Effectivement, et là pour le coup il faut le garder cet avantage. Hein, là il faut vraiment se mettre à jouer à sa range, le bait. Faut jouer bait and punish là. Faut faire vraiment très très gaffe. Ok, le petit upper. On est à 96% du côté d'Alt avec le force match qui va pas pouvoir passer. On attend la remontée du côté de notre adversaire. Quand le setup Ledge Trap malheureusement qui va pas pouvoir passer. On fait très très attention à ce chevalier, mais évidemment Alt qui fait très très attention aussi. Qui lui de son côté il veut vraiment aller récupérer la stock parce que il est quand même en retard Alt, hein. C'est la première fois de ce set qu'il est en retard. Il faut qu'il fasse vraiment très très attention. Et tandis que Nono Colors qui continue de mettre la pression. Nono qui a une stock entière d'avance, hein, qui. Altec qui pourrait perdre sa stock incessamment sous peu. Hein. Ok, il prend la stock. Oh là, le tether cancel pour modifier un tout petit peu son mouvement et réussir à catch Altec dans un moment d'inattention. C'est vraiment un move qui marche extrêmement bien. En effet, le backthrow qui va toujours pas pouvoir tuer. Et là, Altec qui est un petit peu dans la sauce, hein, là-dessus, qui est vraiment en retard contre son adversaire. Et si on pensait que la montagne à gravir c'était Altec pour Nono Colors, mais là j'ai l'impression que la tendance est vraiment en train de s'inverser. Peut-être qu'on va assister peut-être un reverse 3-0. Il a osé taper le milieu du stage avec ce Vine Whip. Oh là 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 là, mais c'est un grand malade. On réussit à shield là-dessus, évidemment. Oh là là. Ok, on trouve enfin ce upper. On trouve quand même ce upper. Un rare backer un petit peu présomptueux dans le neutral du côté de Nono. Effectivement. De la part de Nono qui va quand même se faire punir. Ouais, là. Et on va voir si après c'est malencontreux, cette malencontreuse première stock et cette reprise de confiance de Nono, est-ce que Altec va réussir à proposer un meilleur jeu? Ça, je ne sais pas si. Enfin, en tout cas, on l'espère tous qu'il propose un meilleur jeu, mais en tout cas, regarde, ça se voit que là, il commence à nous proposer quelque chose on qu'on est. À... Ouais, voilà, c'est voilà, bon, voilà. Là, on a le Altec qu'on a l'habitude de voir. Quand Altec commence à te juggle dans le corner. C'est que là, il y a un problème. C'est que là, tu vas passer un mauvais moment. Hein. Sachez-le, attention, le up smash, il va pas pouvoir toucher. Le F-tilt qui vient chatouiller Altec. Aïe, aïe, aïe. Attention, on donne trop, évidemment, le nerf. On entend des combos assez.
des combos moldaves. Complètement. Et là, voilà, par contre, Nanocolors là qui était oh si bien. C'est très Zenshield. Pas de break shield là-dessus, oh, évidemment. On va récupérer la stock. Altec qui a fait un mini pop-off quand même. Ouais, tout de même. Mini pop-off de la part d'Altec, mais en tout cas. Petite pression hein, quand même. Après avoir repris confiance et proposé un très beau jeu.